façon, elles sont dans une Mercedes, elles travaillent pour un mec qui est certainement un élégant quelque part, même si dans sa tête il ne l'est pas. Et c'est vrai qu'elles aussi, Bonnie Parker, elles doivent l'être. Donc c'est... Moi je vois bien quand même des chaussures basses à aiguille, à talon aiguille. En fait, dans l'idée, le talon va appuyer sur la tempe, parce que voilà. Alors après, ça se mesure. Tu sais, c'est facile de faire croire que tu appuies, mais tu n'as pas touché. Donc, à la limite, même si tu ne touches pas, faudrait voir justement avec la caméra et une espèce de perspective forcée ce que ça pourrait donner sans qu'elle touche vraiment. Voilà, par expérience, ce qu'on vient de faire avec Florian, j'ai pas vu ce que ça donne avec Sandrine, mais c'est intéressant. Parce qu'il y a deux micros avec Sandrine, il n'y en a qu'un avec Florian. C'est vrai que sans déconner, deux micros, ça arrange vachement. Parce que j'en ai un sur chaque voix. Je peux avoir une piste pour chaque voix et je peux travailler les égalisations. Ah oui, vous aviez un micro chacun. On avait un micro chacun. C'est des micro-cravates que vous avez? Non, du tout. C'est à la perche. C'est à la perche, mais c'est nickel. C'est wow. Jamais eu. Pourtant, il n'y a pas grande différence d'orientation, tu vois. Ouais. Ça change tout. Et donc, il y avait deux perches ou... Non, une seule, mais chaque micro croisé comme ça. D'accord. Donc, il y en avait un qui était dirigé vers Sandrine et un vers moi. Alors qu'avec Florian, ça pose un petit peu plus de problèmes parce que, après, moi, je suis obligé de découper chaque voix, mettre sur chaque piste pour pouvoir égaliser chacun. C'est le bordel. Ouais. Donc, oui, je pense que la prochaine séance de travail, ça sera avec Roger pour qu'il identifie toutes les prises de son, les éventuels problèmes de prise de son et qu'il me pose les bonnes questions parce que moi je peux pas avoir tout en tête à ce niveau-là. Et ensuite on se reverra peut-être tous ensemble pour les détails des plans parce que là ça va vous intéresser pour certains raccords à faire, pour les objets présents, etc. etc. Bien identifier les besoins de chaque plan. Et là on fera le storyboard qui sera nécessaire. Donc si tout ça vous convient, puisqu'on a les voix off de tous les personnages principaux. Oui. On est d'accord? Ok. En revanche, extérieur et plus, ça c'est sonore. Il faudrait que j'aille voir sur place, parce que c'est même le plancher, même pas sonore. Il faudra qu'on aille visiter tous ensemble. Oui. Parce que même pour les images, ce sera intéressant de voir les angles possibles. Et le plancher, il est un peu con, hein. Le plancher, à l'endroit de ce talon aiguille. Moi, je ne suis pas monté sur cette passerelle. Est-ce qu'elle est en métal ou est-ce qu'elle est en bois? Elle est en métal. Elle est en bois, mais c'est des planches. Bah, écoute, si tu as des chaussures de sport, ça va. Bon, elle est censée avoir les chaussures de mariée. Les trucs à talons. On va tricher. Les trucs à talons, ça craint un peu. Quoi. Ou alors, si elle est sportive, ça va, hein, si elle se défend. En revanche, si elle est très adroite. Il y a toute la flotte. Qui fait un boucan dans le fond. Ah ben, il y a un bruit de fond. Surtout là, en été peut-être pas, moins. Et là, en hiver, c'est fou. Hein. Ce que tu peux noter là-dessus, Roger, c'est qu'on va faire un silence plateau là-dessus. C'est-à-dire qu'il faut vraiment capturer le son d'ambiance pour que je puisse éventuellement le remixer. Donc on fera en plus un silence plateau d'une minute ou deux, ça suffira. Voilà. Moi, je vous propose d'aller faire des essais dès qu'on peut. Hein. Oui, j'y pensais. On fait un essai, on se met dans les conditions que Louise, vous n'auriez pas du feu pour une femme qui vient d'avoir des émotions. Elle est assez proche caméra à ce moment-là, donc elle sera assez proche micro. C'est un plan serré quand même. Ouais. Elle vient vraiment se serrer dessus. Je vais te le dire, je vais l'échelle de plan. J'ai l'échelle de plan de Louise. C'est carrément. On est entre un plan rapproché et un gros plan du visage. Donc plan rapproché, au pire, elle est en plan cravate. Au plus large, elle est en plan cravate. Il faut qu'elle occulte quasiment tout le décor. Et après, au spectateur, c'est quasiment un gros plan, je parie. Bah, on est dans la même échelle. Là, non, ça bouge pas. Là, ça bouge pas. Non. On fera pas un petit... Alors, elle va s'approcher un petit peu parce qu'elle chope la cigarette, il faut qu'elle l'allume un petit peu. Donc voilà, au niveau mise au point, il faudra vachement travailler le truc. Je veux pas de flou sur ce truc-là. Il faut qu'elle soit nette. De A à Z. Il ne faudra pas non plus hésiter à faire certaines prises de vue avec l'appareil photo si c'est nécessaire. Ouais. Pour une question d'absence de profondeur de champ, notamment au premier plan, parce que ça on a du mal à l'avoir avec la Panasonic. Profondeur de champ d'arrière-plan, ça on peut avoir. Premier plan, c'est l'appareil photo de voilà. Parce que moi j'ai un excellent, moi j'ai un 85 mm, j'ai une optique à portrait qui est excellente et qui ouvre beaucoup. Voilà. Donc elle a un bon... On fera un mix de tout ça. L'étalonnage ne me pose pas de problème si on a la Lily, il n'y a aucun souci.
Oui. C'est parce que j'ai noté justement, ça c'est ça. Écoutez bien le caméraman qui filme et continue de filmer parce que c'est très important ce que je vais dire, c'est fondamental. J'ai des différences de balance de couleurs énormes entre le Nikon et la Panasonic. Donc il va falloir essayer qu'on s'harmonise sur Galéa et sur Isabelle quand on va le faire. Parce que j'en ai chié sur le document de Florian pour réussir à harmoniser tout ça. Donc oui, oui, ça se voit pas trop, mais j'avais un écart, mais c'est pas le même capteur. J'étais beaucoup plus chaud sur le Nikon. C'est pour ça que la Lily va être super importante, parce que justement, si on a deux appareils de prise de vue en fonction de ce que l'on a à capturer, là, je pourrais harmoniser sans aucun problème, surtout si j'étalonne avec DaVinci, là, il n'y aura aucun problème. Ce qui fait qu'on achètera la Lily X-Rack.